Yo les gens, c'est Powerline. Alors aujourd'hui, je tiens à préciser qu'on se retrouve sur un jeu qui fait extrêmement peur. J'ai tenu à faire cette petite intro pour vous le présenter. Ça s'appelle The Hunt Now. Hello les potos, comment va? C'est Powerline et c'est un plaisir de faire cette vidéo parce que cette vidéo est un petit peu spéciale et oui! C'est la dernière vidéo avant que je me fasse extraire les dents de sagesse. Et c'est également une vidéo retour vers le futur. Enfin, vers le passé plutôt. Parce que rappelez-vous, comme l'a dit cette intro, et ce vieux style qui va vous rappeler ma deuxième vidéo sur un jeu d'horreur. J'ai même ressorti ma vieille chaîne. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai une nouvelle. Mais d'ailleurs, que vous verrez pas. Donc, The Hunt Now a été remodelé, a été customisé pour être encore plus terrifiant. Et comme ça faisait un moment que j'avais envie de vous servir un jeu d'horreur, c'est parti, play. Ouh. Déjà, je retrouve la bande-son qui fait froid dans le dos. Alors, je vais pas faire comme dans la première vidéo, ouais, je vais pas me mettre dans le noir, vous ne verrez pas ma tête. Et moi, je vais me faire peur pour rien. Donc, oula. Donc nous allons nous contenter de la lumière et nous allons faire confiance au screamer et tourne pour nous faire peur. Déjà, c'était plus rapide que la dernière fois. Et c'est reparti, vous pouvez recommencer. Je trouve le jeu beaucoup plus lumineux qu'avant. C'est déjà pas mal. Alors, où suis-je? Je suis revenu au point de départ, c'est super. La dernière fois, j'avais pas fait de coupure non plus. Il y a un truc qui rigole, je vais avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ça, j'avais pas compris à une époque. C'est juste pour dire qu'on est passé par là en fait. Oh là! Eh ben merde, je suis déjà passé par là, vous voyez. Je savais qu'il fallait pas passer là-dessus, bordel de mes couilles. Ah merde. Wow. Ah bon. Pas mal ça. Wouhou. Le jeu a un peu une physique de merde. Salut les gars. Le pire, c'est que dans le trou de la porte, j'ai eu peur parce que j'ai vu un visage. Sauf que ce visage, c'était mon reflet. Wow. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, je crois qu'il a eu peur des mains. Ah bah, il n'y a plus de fumée rouge. Oula, mais attends, la fumée rouge dans mon ancienne partie, c'était un monstre. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, t'es gueule là. Non, j'ai pas eu peur. Mais bon, ça va la bande son, je suis déjà mort. Je sais pas si c'est la muscu ou si c'est parce que cette chemise est assez vieille. Mais je suis un peu serré dedans. Super, du gold. La fumée rouge. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame. Aïe. S'il vous plaît. Ça se fait pas que tu essaies devant les gens comme ça à toute vitesse là. On n'est pas en Roumanie ici. Le mec est censé se chier dessus. Il bouffe des chips en parlant à ses abonnés. C'est pas beau YouTube. Sérieux. Insolence. Je devrais même pas parler à moi genre. Quelque chose me dit que je suis pas passé par là. Alors hop. Ah, pour le retour, il n'y a pas de problème par contre, hein. Mais de merde. C'est par là que je suis pas allé. Maintenant, j'y suis allé. Dans les pièges. En fait, je me suis tout spoilé en regardant mes trucs. Il n'y a pas trop de nouveautés, hein. Je suis un petit peu déçu. Oh. Bon, j'oublie. Alors du coup, peut-être que ça va faire comme Bunker 16 et peut-être qu'on va en faire réussir à le finir.
Allez savoir. Oh! Ok. Oh, j'en ai deux! Visiblement, ne pas regarder ces messieurs dans les yeux. Ouh! Peur 6 sur 8. D'accord. Je suis pas très en confiance là. Eh, si je perds maintenant, c'est pas bon. Mais oh, j'espère qu'après, il faut pas retrouver la salle du début. Sinon, je suis dans la merde. J'ai le troisième. Olé! Ah, mais alors, j'ai plus qu'à faire demi-tour. Mais j'ai limite honte tellement cette vidéo était si peu apparente alors que la première vidéo a été beaucoup plus remplie de ça. Je vais me fermer ma gueule parce que la vidéo est pas terminée, on va dire. Je suis concentré là les gens. Si je peux finir The Ankh Narrow, ce sera 2 ans de ma vie de youtubeur qui auront pas servi à rien. Je pense qu'il faut que je suive toutes mes traces demain jusqu'à revenir à la salle du début. Essayer d'éviter les monstres. Et tourner en rond. Oh! Allez! Putain, je sens venir le screamer final, bien sûr. Les gens, 2 ans après la première vidéo, dans une confiance absolue en lui-même, Powerline 342 a réussi à finir The Ankh Narrow. Putain les potos, je pensais que j'allais me chier dessus. Si vous saviez comme je suis heureux, je pourrais pleurer. Je suis un petit peu déçu de la fin. Bon, le jeu en lui-même est un petit peu décevant, mais les screamers sont... Enfin, quand ils sont présents, les screamers sont bien prenants, sont bien screamerisants. Du coup les potos, je suis toujours au travail sur la parodie, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les potos, c'était Popo qui vous dit à bientôt. Bonsoir les amis, je me présente, je m'appelle Kit. Vous avez déjà dû me voir dans la série Night Rider. Je suis ici pour vous parler de Powerline 342. Ma base de données indique quelqu'un de drôle, d'amusant et de très doué dans ce qu'il fait. Aussi, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Personnellement, je vais voir ses vidéos tous les jours lorsque je n'ai rien à faire. D'ailleurs, excusez-moi, on a besoin de moi. Powerline, embarque! Allons sauver le monde!